à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre Let's Play de Payday 2. On se retrouve aujourd'hui suite à la nouvelle mise à jour qui vient de tomber où nous devons libérer Hoxton de prison. Donc je ne suis pas tout seul pour cette émission, nous sommes accompagnés de Michou à la crème. Salut, c'est moi. Et de Who the Cheese. Bonjour. Alias Sodoxa. Ce qui se passe rapidement, on se retrouve pour l'évasion d'Hoxton. Faut savoir que Hoxton dans le Payday 1 s'est fait choper sur une scène de crime. Ils sont remontés jusqu'à lui, ils l'ont coffré. Et donc du coup le Hoxton que vous aviez dans Payday 2 n'était pas vraiment Hoxton, mais c'était son petit frère. Voilà. En gros, l'histoire de Dallas. Voilà, un petit peu l'histoire de Dallas. Et du coup, hein, quoi? Moi je te parle de Dallas. Dallas. Allez, c'est reparti. Non, arrête là. Donc du coup voilà, on va simplement le libérer et puis voilà, tout simplement. Voilà comment ça se passe. Comment? Et je ne dirai pas ce que vous avez mis à gauche parce que vous êtes des connards et voilà. Allez, moi je clique sur prêt et je demande à tout le monde de cliquer sur prêt. Clique sur prêt. Ok, attends, je regarde qu'on a. En fait, c'est le petit frère de Dallas. Mais le mec il est lent. Ils avaient fait ça en fait pour faire croire en fait à la police qu'ils s'étaient plantés de suspects. C'est ça. Putain, hey, t'as de la mémoire, c'est bien. Ouais, ok, une porte avec un grillage, à mon avis, c'est pas mal là. Y'a un truc qui brille. Et voilà, donc. Ouais, on va bolosser les flics. Alors, tu te souviens, ça c'était la partie de la vidéo. Oui, on mettra la vidéo dans la description peut-être. Exactement. Alors, c'est une vidéo qui a été publiée par Overkill. Bah oui, t'es con, j'aurais compris. Il se barre. Non, mais non, ça sert à rien, c'est pas là qu'on va. Une vidéo qui a été publiée par Overkill en fait, avant la mise en ligne de la mise à jour. Donc, pour tout simplement faire évader notre ami. Voilà, voilà. Ouais, bah moi je vois qu'il y a une porte ici, je vais aller là. Ah bah non, elle marche, ok. Allez, c'est parti, on est remonté du coup. Ça a l'air plutôt calme. Yes. Il y a notre véhicule devant, voilà, la mise à jour est terminée. On vous remercie d'avoir maté cet épisode. Ouais, je prends des balles. Je parle le camion blindé, c'est du métal ou du bois qu'ils ont mis? C'est du métal. Comment on monte? Je sais pas. Il est où Non, il y a un truc à faire avec la voiture, faut la dégager la bagnole devant là. Allez, bah c'est numéro Link. On va voler une voiture de flic. Hey, je peux conduire? Tu peux conduire? C'est mes rollers. Hey, Au calme, au calme la voiture. Au calme. Allez-y. Allez, on pousse la voiture. C'est mes rollers. RT quoi. Oh, le roleplay quoi. Ouah, le peuple. Change de pétard, Toto. T'as sur la bagnole. T'as 4 policiers. Oh, le peuple. On est sur la bagnole, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je monte dessus. Bon, franchement, c'est pas du tout à ce que je m'attendais, ça ressemblait pas du tout à ça dans les miens. Mais ouais, bon, on va bien voir. Là, on va devoir escorter le véhicule, c'est ça l'idée? On dirait alors qu'il est dedans. C'est la Batmobile. C'est la Batmobile. T'as craqué, toi, t'es pas bien aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que t'as fumé, sans Putain, déconner? On peut pas monter dedans, c'est de la merde. Puisque tu te souvenais plus qu'il était con depuis le temps qu'il est pas venu, hein, mais. C'est pas faux, pourtant, il est dans l'équipe IRG, ce mec, hein. Eh oui, pourtant. Et c'est quoi, j'ai un CV complet maintenant. C'est le métal. On peut pas passer, d'accord, très bien. Ouais. Ah oui, il faut suivre la voiture. D'accord. Faut suivre la voiture. En fait, faut escorter le véhicule. Ouais, escort the truck, c'est marqué en haut. Je vois l'intérêt, faut encore lui dire d'avancer quoi. Elle est finie la mission? C'est fini? On peut y aller? Je peux aller me faire un thé? Je peux aller me faire un thé avec du sucre. Ah, oh, comme ça balance! Ah, oh, comme ça balance! Je sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure, je visite, hein. je marche autour, je vais enlever Payday 2. Alors, j'ai une petite problématique, c'est que je manque de munitions. Ah, déjà? Fais comme moi, tire pas! Fais comme moi, laisse Angel tirer! Ah ouais, c'est ce que je fais, hein. Je le vois, il passe devant, je fais. Le mec, il a fait 3 kills quoi! Je suis à 18. Non, mais c'est normal, je tire pas moi en fait. Eh, hey, bon. Hey! Move! Bitch! Ah, vas-y, la pompe! Ok, il y a des trucs au sol là, il y a des boucliers ou quoi? Ah, il y a des mines! Non, c'est pas des mines! Ah non, c'est une herse! C'est une herse qui a été posée, faut la virer! Ouais. ça l'a pris d'herse! Allez, boost! J'ai manqué de munitions prochainement là, il va falloir que quelqu'un me. On est d'accord que la herse était pas tirée de façon? Si, si, elle était tirée! Elle était tirée? Chez moi, putain, bien! Je suis l'autre et chez moi ça marche pas! C'est parce qu'on l'a pas laissé le temps de. Parce que t'es chez Free, laisse tomber! Mais je suis l'autre, attends! T'es connecté en blédard, cherche pas! Mec, il est connecté à la Freebox. Il est connecté voisin. Chez le voisin. Il est connecté à la Freebox du McDonald's en dessous de lui. Oh putain. Putain, je suis obligé de faire du one shot, c'est dégueulasse. Moi, je sais pas ce que je fais, je tire. Je tue les plantes. Mais j'ai encore connexion avec mon portable en Edge. En fait, le savez-vous, Angela joue avec son portable depuis le début. C'est pas hasard, il a pas 4 gobelets pour tenir son portable 4. Oh, ça balance. Et allez, ça balance.
Allez, donc rapidement un petit point sur ce qui se passe. Si vous voyez mon HUD qui a changé, vous aurez une vidéo prochainement avec un mod à installer si vous le souhaitez. Un HUD beaucoup plus complet qui nous est proposé par un modeur en fait amateur, voilà, qui a été accepté par Overkill. Voilà. Ah oui, je vois de quel HUD tu parles. Le truc où tu vois des indications partout. Exactement. Ouais. Il est classe. Ouais. Beaucoup trop swag. Putain, je manque grave de balles. Quelqu'un a des balles sans déconner, les gars, s'il vous plaît. Ouais. Oh, mais c'est qui le mec en bleu là? Il est dégueulasse ton masque. S'il vous plaît, j'ai besoin de balles d'urgence. Je me suis fait fracasser. Ouais, attends, là. C'est mon premier sac, j'aimerais éviter de le lâcher maintenant. Je vais mourir, je vais mourir. Bah écoute, c'est pas grave. J'ai pas de sac. j'ai pas de mine non plus. Hein. Il y a un sac de mine, On va couvrir la zone. Oh putain, il y a du peuple qui arrive, c'est violent. Je vais essayer de couvrir cet angle. Ah, putain, si on peut se répartir, les gars. Pourquoi on est en train de percer? Parce qu'il y a un véhicule devant et à mon avis, pour le dégager. Ah, ouais, faut ouvrir la porte, ok. Parce que le mec il sait pas utiliser son volant, il peut que aller tout droit du coup. D'accord. En fait, le mec c'est une femme en fait. ça y est, allez hop, on l'a bouffé. C'était Odakill pour ça, rien. Alors j'ai été flashé là, c'est assez compliqué pour moi. Ouais, ça allait moins vite. Mais là, tu te crois. Le mec il donne des conseils, il meurt deux secondes après, espèce de bolos. Il a la blague. Bolos. C'est fait flasher parce qu'il allait vite. Mais bolos. Vas-y, dégage le truck. C'est quoi, je préfère couvrir ta blague pour pas que tu te sentes seul. Couvre la blague, c'est ça. Le truck t'a dégagé. Je fais une petite couverture. Je couvre ta blague. Je fais une petite couverture. Le truck dégage. Ah voilà. C'est ça pour bouger ça. Allez, en avant, truc. Allez. Ah. En fait, le prisonnier est à l'intérieur du truck, on est en train de le protéger. Ah bon? Je croyais qu'on protégeait une pizza. Oh là là. Corizo ou 4 fromages? Ah, j'aime pas. Ah, je suis bloqué! Non, c'est bon. Campagnarde. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fous sur une voiture? Là où il y a les champignons là? Ouais. Les mecs, ils sont trop connaisseurs des pizzas. Le mec. Ah, bienvenue dans votre émission hebdomadaire de pizza. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on vous présente là 4 fromages, les amis, avec son supplément de cheddar. Ça fait bien plaisir. Elle sent bon, notre pizza, elle sent bon. Vous la voulez? Eh ben n'oubliez pas de la commander. Sur le toit, ça descend pas mal en face. Hein. Non mais on s'en fout, les bases. Je mets des headshots. Tu veux gagner une pizza? Abonne-toi à la chaîne et mets un commentaire. Oh, alors là, je vous garantis pas comment je l'ai le plus loin. Envoie pizza au 8-2-1-2-1. Si tu veux savoir si ton mec t'a quitté, envoie Oda s'il t'a quitté. 35-35. Oda au 8-35-35. C'est bien. J'ai bossé pour ce genre de pub hein. D'ailleurs, je dirais rien, ça faisait si tu veux que Tony lèche ton écran. Enfin bref, je dirais rien. Ah oui, je me rappelle. J'avais tourné une vidéo comme ça il y a fort longtemps sur un. T'inquiète pas, tout le monde s'en souvient. Allez voir, c'est rigolo. Les vrais le savent. Les vrais d'IRG qui suivent depuis le début le savent. Je vais me faire écraser par un truc dégueulasse. Les vrais sont mal. Ouais, grave. Ok, donc là on l'a ramené dans un parking, le gars, tout va bien. Rien de plus. En fait, il est rentré comment? Parce qu'il y a du métal tout autour. Non, il est dans l'arrière. Dans la benne. Et dans l'arrière, tu me parles mieux quand même. Bah, il est dans la benne, c'est que je te dis. Vas-y, on met le ticket, ouais. Vas-y, on prend un ticket. Pourquoi j'ai gagné un ticket, on a un ticket, mon gars. Trop bien. Tous les deux. Eh, les mecs, vous avez cheaté le ticket. Ouais, on a fait ça exactement en même temps, du coup, on en a deux. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça fera une heure gratos. Genre, tu payeras deux fois. Oh la baisse. La baisse, putain, vas-y, je me barre. C'est le mec qui jette ses armes et tout. Vinci, bordel. Ah, on est pauvre. On est pauvre. C'est sympa ici. Bah écoute, c'est je suis sur le petit. Ah, capouille cul. Ça vient que Shane y ramène ses fesses, hein. Eh connard. Eh pédé. Oh, en bas, y'a du peuple. Regarde, ce con. J'ai plus de munitions, tu te démerdes. Bien joué. Tu vas mourir sous les plots. Attends, moi je mets des gens à terre. Non, arrête-toi. Allez! C'est merde, pas que ça je suis arrive mort, par derrière, mais... ça arrive par derrière! Tu veux pas le relever, je vais m'occuper des ennemis. Vous auriez vu mon écran, les amis, c'était magique. Bah, c'est le moment où il sort et il a les guns et tout sur le côté et tout, c'est ça? En fait, on revit un petit peu la vidéo, j'ai l'impression. Et là, c'est pas ça de la vidéo, ouais, apparemment. Ah, c'est-à-dire qu'on va se taper quelque chose de pas bien après, je le sens pas. Ouais, mais j'ai une perceuse dans mon sac. Pourquoi vous avez revu... pourquoi vous avez revécu la vidéo et pas moi? Parce que tu l'as pas regardé? Mais non, en fait, est-ce que c'est parce que j'étais mort? Non, merde, c'est la... Non, je veux juste dire que ça se passe comme dans la vidéo, là, c'est au niveau de la zone, tout ça. Ah, ok, quelqu'un a des munitions?
Bah écoute, moi je jonche les cadavres sur le sol. Mec, hein. Patapulte. Hey, y a une porte ouverte. Tu sais quoi, je vais tuer des gens et puis tu. Eh, hey, mais lol. Eh. Hey, ah, faut trouver la salle de contrôle. C'est quoi, okay. C'est invisible. Eh. Hey. Hey, t'arrêtes de me prendre mes munitions, espèce d'enculé, va. Sans déconner, je tue des mecs depuis tout à l'heure et c'est l'autre qui récupère mes munitions. C'est les kills. Eh, c'est. Oh ouais, putain, ils arrivent dans les ascenseurs. Oh, démerde toi. Hein. Et allez, ça balance. T'es pas mort, tant pis, hein, j'ai plus de balles. Bonjour. Ah non, je voulais la boîte. Ils arrêtent par deux. Oh, y'a un ascenseur. Ils sont tous dans les ascenseurs. Oh, attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh, hey, machin. Eh, hey, donne-moi tes mules. Putain, j'ai galère. Non, tu meurs si t'as. Hey, j'ai l'impression que t'as un gros patapouf. Hein. Je fais pas 2 mètres sans m'essouffler. Oh, arrête de prendre les munitions, espèce de connard. Le mec qui passe devant moi, il se retourne, je lui dans la tête. On fait quoi là en fait? Là, on avance, on sort du caca. Je crois que t'es trouvé. On monte dans l'immeuble en fait. Hein. On tire dessus. C'est un immeuble? C'était pas un parking? Ah, c'est un parking immeublifié, tu m'emmerdes pas. Voilà. Il est relou ce mec quand il s'y met, bordel. Bah attends, moi Stéphane Plaza et tout, hein. Moi je veux le vendre le parking. Oh putain. Qu'est-ce que tu crois? Oula, oula, oula. Ils sont chauds là, ils sont chauds, je me fais un peu encercler, je suis un peu tout seul. Oh d'accord. Super. En fait, ils ont toujours pas traduit en français. Et au fait, question, quelqu'un a dit au véhicule de nous rejoindre? Parce que là, ils vont tous sur le véhicule en fait. T'as vu qu'il y avait des barrières, tu sais, les plots là. D'accord. Et il craint pas le véhicule? Le piratage dans 13 secondes. D'accord, j'avais même pas vu. T'sais. Oui, c'est un piratage très rapide pour. Ouais, ils ont engagé le mec de Watch Dog en fait. Ouais, je suis sûr, il marche mieux que dans Battlefield 4. Oh putain. Ça m'étonne pas quoi. De quoi qu'est-ce qu'il y a? On se fait un peu encercler de partout les gars. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je vais tomber. Putain merde, sans déconner. Derrière toi, Oda, derrière toi, derrière le truc bleu là. Oh, je viens de te sauver. Non, 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 non. Viens me sauver, viens, relève-moi mec. T'es pas protégé le piratage, il reste 3 secondes quoi, sans déconner. Oh la grosse loose. Vous êtes trop mauvais. Non, je préfère sauver Tony, parce que Tony est plus humain pour moi. Je suis humanoïde. T'es humanoïde. Attends, c'est sûr que l'ordinateur il peut être super humain. Au moins je peux te couvrir. Ah ouais, t'es mort toi aussi? Ouais, parce que je suis en train de me faire tous les flics. Attends, oh, yolo, je peux te gueuler dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Je peux te gueuler dessus normalement. Bah, ça marche super bien. Ouais, je vois ça. Oula, y a un mec bizarre là. C'est pas qu'il y a un peuple, mais. Au secours, les copains. J'ai une sorte de grenade. Ah, ça va, Angel? Regarde, regarde. Grenade! Bim! Putain. C'était bueno, ah, vous êtes pitoyable, c'est le bot qui vient me relever quoi, pile. Merde, y'a Tasman avec un bouclier. Tasman. Nan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 
La grosse base. Le mec, après, il parle plus. Il fait, bah, vas-y, lance ta partie. Non, je mets du sucre. Voilà. La fameuse vie chez IRG, c'est tranquille. Hein. C'est le tea time, quoi. Tu abuses. Non, mais. Ok, il s'est cru chez mamie. Ah oui, justement. Alors, oui, donc j'imagine que on est recherché, hein. Ah bon? Voilà. Bon, je présume, hein. On a rien fait d'illégal? Non, on a aidé juste un ami qui était dans le besoin, mais pourtant. C'est tout. Eh, mais, tu sais, dans la Bible, ils disent d'aider son prochain, hein. Moi, je dis après, moi, je dis ça, je dis rien. Bon, tu te sors prêt ou je te pousse? Attends, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fait là quand même. On s'en bat les couilles. Alors, nanana, merci de m'avoir fait sortir de prison. Ouais, de rien, ça me fait plaisir. T'inquiète. On va. Alors, ok, quelqu'un m'a balancé, ce gars. On va y régler son compte, quoi, c'est tout. Attends, je vois de ça. Et je vois The Biggest FBI, donc il y a un truc, genre un mec qui est pas réglo et ça tout. Ça va pas être facile. Edge, je sais pas ce que c'est. No Shadowing Deals, contact, ouais. On va aller à la source, le plus gros endroit du FBI. On va trouver qui c'est qui m'a mis en prison. On va le déter. Ok. Alors le prochain qui passe une introduction, j'y défonce le cul. J'espère que j'ai été très clair là-dessus. Depuis hier, quelqu'un qui escape. La police a été alertée. Oh, ça m'a rappelé Gaïe Poud. Bon, désolé. Alors. YOLO. Détecteur de métaux. Ah mais attends, ça va sonner là si on passe. Non mais la police est déjà là, on s'en bat les couilles. C'est pas fou. De toute façon, t'as cherché le FBI. Pourquoi tu devrais avoir peur de quelqu'un d'autre, quoi? Sincèrement. On est chez le FBI là. Putain, y'a bien le poulet KFC là. Ah, ça c'est du garde de. Non, c'est du. Ah bah, je fais l'hôtesse maintenant, ouais. C'est du FBI civil. Bonjour, vous pouvez m'avoir un rendez-vous? Bonjour, je souhaiterais voir mon banquier, s'il vous plaît. Ah, c'est pas là! Ah mince, parce que je suis le banque. Je suis où? FBI? Ah, pardon. Ah, c'est à côté. Excusez-moi. Je suis à l'étage. Alors, j'ai un civil, il s'en bat les couilles, il attend sur l'ascenseur. Du coup. Ouais, il fait ouais, me cassez pas les couilles, je suis déjà en retard au bureau, te fais enculer. Hein. Ouais, vous me faites merde. Chier là. Ah merde! Oh le mec, c'est un. Le mec, c'est pas marqué, il est sans rentrer! Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu ou pas? Le mec, il a fait du Yamakasi quoi. Il s'en bat les couilles, je suis un mec qui est derrière. Alors qu'en fait, je voulais pas le faire du tout. Vous êtes où? J'ai gâché une clé comme un con. Je suis perdu. Moi je mets pression. Eh mais c'est trop grand hein, le FBI. Ah mais faut que Oxton revienne. Oh Oxton, ramène ton boule. Y'a du monde à l'étage. Allez viens con de toi là. Y'a des problèmes à l'étage. La rambarde au-dessus de vous les gars. Ouais mais attends parce qu'il y a Oxton qui casse les couilles. Ah là. Genre lui il a le code. Genre la base. Genre bah oui attends. Bien en prison, sûr. Bien évidemment. Non il vient de prison et tout. Il a été en contact avec des mecs. T'imagines même pas contre des paquets de clopes et un petit cul. Un petit cul. Mais ouais. Ah, il s'enferme dedans en plus, cet enculé. Il est rentré, moi la porte elle est toujours fermée. Ouais, non, il s'est enfermé à l'extérieur, faut le couvrir, je pense. Ouais. Il s'est enfermé à l'extérieur. Faut la défendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'en restant. Il a raté les serveurs ou je ne sais quoi. Fond de toi, je l'ai vu débrancher avec XT, ouais. Faut faire quoi? Ah, faut juste couvrir. Le temps qu'il puisse faire son petit business. Allez, relance le piratage. 4 keys. Angel, viens. Hein? Ramène-toi ici. Là où je suis. Carte requise, tu la mets dans la fente. Et t'as permis. C'est comme quand tu mets un zizi dans une fille. Non mais ici il y a carte requise. Mec. Attends là-bas il y a une porte que je pouvais ouvrir au lieu de fermer, je vais aller voir ce que c'est. Alors mec, t'as pas juste envie de faire la mission? Mais oui. Non parce qu'en fait on attend de pirater, du coup moi je me balade. Oh, ah ouais, et moi je galère à me faire des gens. Le mec il est sur sa rambarde, il fait bon qu'est-ce que je fais? Le mec il est perché. J'ai trouvé l'infirmerie et tout, ça se trouve il y a des boîtes de jus de fruits. C'est quand y a on est du thé. Ah. Ah mais y a pas de sucre, merde. What? Ah putain, tu mets un peu de. Un truc. Oups, pour j'ai lancé une grenade, pardon. Je m'excuse. Personne n'a besoin. Pardon. Je voulais te soigner, j'ai lancé une grenade. Ça me prend des fois, je suis un peu trop humain justement. Trop humain. On est bien perché là. Bah ouais, on a bien tout en vue, donc on est pas mal. On est bien découvert aussi. Aussi, mais ils ont pas le temps de nous tirer dessus. On les défracte avant. Je vais manquer de munitions dans quelques secondes. Ouais, attends, je vais Ça pop. Là, je suis en train de faire du one shot à tout le monde quasiment. Eh, mais il faut me laisser des kills. Ah, je casse des tableaux, ouais, c'est rigolo, regardez. Mais t'as que ça à branler? Espèce de gros guignol. Oh là là, putain.
Est-ce qu'on peut suivre la présence d'Ebola au moins sur leur map, non? Ça c'est aussi. Désolé. Allez, la petite blague qui passe. Ouais, bon, elle passe tant qu'elle est pas en France, hein. Après, si Ebola est en France, je supprime la vidéo, hein. Pas de problème, hein. Je suis pas con. Allez, ça balance. Oh, regarde, y'a un blue screen. Y'a. Ebola, mais pour l'instant, elle peut pas là. Mais Tony, ingénieur informaticien, vas-y. Ah merde, alors, bon, il est où l'ordinateur relié à cette merde? Alt F4. Attends, vas-y. Non, c'est contrôle Alt Sup, mais normalement, comme c'est un Windows 98, tu vas galérer. An error has occurred. To continue, press Enter. Faut presser Enter. T'es con. Windows, là, c'est parce qu'il est en train de pirater tout le bordel à gauche, là. Du coup, il est en train de foutre la merde. Contrôle Alt Del. Non, il est en train de faire une connerie sur les écrans ou quoi, ce mec, en fait? Ah, j'ai fait deux blagues en 30 secondes, personne. Tu verras, dans 2 secondes, il sera en train de jouer au Pac-Man ou au Pong. Il aura lancé Pong, tu sais. Il aura lancé les Sims, il fait. Le mec, il lance une partie des Sims. Attendez, les gars, et tout. Mieux, il danse une partie de Payday 2. Ouais, gros bug. Payday Deception. Ouais, c'est un blue screen de Windows 98. C'est violent. Choix, mais... il est informatique, c'est pas. Ok. Access the archive. On se casse. Courez. Et on en fait quoi, du petit genre, nos problèmes, quoi. Il se met en position. Bilatéral PLS. Position de sécurité. Vas-y, Oda, on run. On run. Me lâche pas, te retourne pas. C'est quoi ton deal? Projeter la torche, ça se vendre au C4. Attends, pas de gâcher C4 ici. C'est complètement gros. Mais t'es où toi? Moi je suis descendu. Putain, le mec nous attend pas. On saute? Je te dis, j'y vais, hein. Quoi? Mais c'est par où qu'on descend? C'est où? Vas-y, je. Vous êtes trop teubé. Ah, c'est là. Ah, c'est là, je suis derrière vous. Ah, j'ai trouvé! C'est trop mauvais! Ah, ouais, ça va! Mais ça, c'est ah merde! Ah bah, j'aurais dû garder ma carte! Espèce de connard! Oh là là! Mais ça, c'est pas un truc en bois? Si, c'est des portes en bois, type. Bah, attendez, y'a une vitre là! Eh, vous cassez la vitre, vous faites pas chier! Gars, je vais avoir besoin de monde à l'étage, hein. Faut couvrir! Appelle le bot! Oh connard! Ça, donc, ça, il est toujours là-haut, il s'en bat les couilles! Ouais, remarque, il a munitions illimitées, le bot. Du coup, ouais, faut ouvrir ce truc à perceuse, donc 30 secondes. Déjà, genre, une tourelle, tu l'as posé. Eh, hey, mais t'es en difficulté nourrisson ou quoi? Non, 30 secondes. Putain, mais la perceuse, quoi. Putain, bico clodo, là, c'est bon. Oh, le viol que je viens de faire. Je viens de faire un viol de tête, quoi. Je suis rentré dans leur tête sans leur consentement. On veut pas ça, oh putain, on veut pas ça. Putain, je prends trop de balles. Oh bordel, y'a du monde. Je suis derrière eux, ça passe. Allez. Ah mais c'est toi là-bas, je te tire dessus depuis tout à l'heure. Ah, c'est moi, j'essaye de faire diversion. Y'a 1000 impacts derrière toi. Mais ouais, parce que le seul truc, c'est qu'à l'étage, ils sont juste, je sais pas combien. Wouah. Il a rien au tir pour la fois que t'as. Pas moi. Voilà. Ça t'est fait. Comment ils ont pu passer derrière nous? Mais putain, il a fait. Comment il est allé éteindre la personne lui? Il est passé en mode ninja, tu sais, on l'a pas vu. Ninja. Y a un ascenseur en fait ici, donc je crains un peu le truc en fait. Quelqu'un aurait des mules une fois qu'on soit ici ou à l'intérieur ou pas? Ici à l'intérieur ou pas? Attends, faut voir si on. Pour l'instant, pour moi c'est cadeau. Bah... C'est la langue française, TTC. TTC, toute taxe comprise? Oui. Non, c'était trop con en fait. D'accord. Mais lol. On cherche des livres? Vas-y, je cherche. Ouais, on est la bibliothèque. Bon, j'ai choisi toutes les munitions, hein. Allez vous faire enculer. Putain. Mec. N'inquiète pas. On cherche quoi là? T'es pas dans l'action, Tony là, viens nous aider. Ah, pardon, tu cherches quoi? Alors, Henri, H, Henriette, Henri, ah mince, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ah, on cherche les Ah oui, le casier judiciaire de Doxton pour le faire bah voilà, pour le faire disparaître. Savoir qui s'en est occupé, Camille Dawak. On va te défoncer, bâtard, tu vas avoir la pression. Ah, mais il y a combien de trucs là? Bah, c'est vrai, FBI, mec, hein. J'ai trouvé. Sans plus. Allez, t'as la feuille, on sort. J'ai la feuille, et vas-y. On sort, on passe par les Le problème maintenant. Ah non, merde, oh putain, merde. Ah bah regardez, on remonte vers Oxen comme ça. Attendez-moi, c'est moi qui ai la feuille. C'est moi qui ai la feuille. On va pouvoir rouler, les mecs. Wouah, sa mère. Oh, ils sont planqués.
Attendez-moi. Mais moi aussi je veux venir. On est fornestique. Salut Oxane, bien Oxane. Ah, il faut lui passer. Faut passer les feuilles sous le. Sous le. Sous le nez. Non. Tu la sens ma belle feuille. Non, sous la porte. Mais... Et comme ça vous pouvez prendre des munitions, parce qu'il y a des munitions par terre. Tony, tu t'es perdu. Vas-y, je lui passe la feuille. Ouais. Bah j'ai vu des gens sur qui tirer, donc j'y suis allé. C'est ça. La grosse life quoi. Et au spawn et tout. Allez, on défend. J'ai même plus. Bah bravo les gars hein. Mais tu arrêtez sais qu'il de fait des rototos sur les vidéos, c'est pas propre. Bah c'est le connard qui boit son lait. C'est pas très thé. Professionnel, il fait des rototos de thé, mec. J'ai jamais vu ça. Mec, il rote en vidéo quoi. Il rote en thé surtout, c'est ça qui est. Est-ce que Tony l'a déjà roté en vidéo? Non. Ouais. Que des proutes. Bon, alors. Putain. Très professionnel, bravo, 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 bravo. Je vous invite prénom. À vous recharger votre vie, les gars. J'ai placé un mec pack. T'inquiète, j'en. Ah bah, quoique si. Je... Oh, bonjour! Bonjour. C'est rien, moi, ça. Voilà. Oh putain, les bâtards. Au pire, la vie à l'infirmerie. Les étages, les gars. Bon, moi, je suis perché. En plus, ça se trouve, il y aura des jus de fruits et tout. T'es pas bien. Mais, hey, mais tu viens, c'est quoi avec tes jus de fruits, toi? Oui, mais. Hey, mais le mec, il en manque de goûter, hein. Tu veux pas ta petite pomme pote aussi? Tu parles à ta mère, elle va te donner une petite ouette. Elle va te faire une. Tranquille. Elle va donner la petite pompe pote, jus d'orange, ouais, et petit biscuit. Biscuit. Alors, cette vidéo est sponsorisée par pompe pote. Elle balance encore quelques trucs, genre, je sais pas, BN, Milka, toi, les chocopos. Ouais, ça évite d'avoir des problèmes sur les droits de la vidéo. Mais. Y'a du monde. Qui est arrivé à lui? Le mec, il a réussi à descendre, et il a regretté. Sans tuer, puis j'ai mouru. Y'a du monde sur les open space en bas. La langue française. Ah, ouais, c'est pour la rime, du coup, je m'en balais, Kanye. Je m'en balais. Rami, je m'en balais. Ah, on peut fermer la porte. Ouais. Ah bon? Ah, mais c'est trop stylé, regarde. Bah oui. Zut. Genre comme ça, ils viennent pas. Et comment je la rouvre? J'en rouvre pas! Tiens. De con! Ah mais. Et comme ça, ils arrivent que par deux portes au lieu de trois, quoi. C'est un peu. Stratégiquement plus intéressant. On se prend des trucs dans le cul, là. Merde, les balles passent pas. Je sais pas ce que tu mets dans le cul. C'est... Bon, ça, y a des mecs ont pété les vitres, en fait, et c'est assez compliqué. Salut à tous. Il s'est perdu. Salut à tous. Vous êtes où? Ah, c'est bon. Je dois te faire des kicks. Qu'est-ce que Chains? Alors, access director office. What? Chains, il est passé par la porte, tu vois, il est passé en dessous. Par-dessus la troisième porte. Il est passé en dessous, mais genre, il y avait genre 3. Attends, il est passé en dessous de la porte? Ouais, il est passé en dessous de la porte. Mais putain, mais genre, pourquoi il y a autant de gens et j'ai pas invité tous ces gens là? Le FBI. Allez, Au bureau du directeur. Le bureau du directeur. Bon, il fait quoi lui là? Combien de temps il reste? Mais terminé, zéro, mais c'est terminé. Au bureau du directeur, mec, il vient de te dire. Appelez-moi le directeur. Monsieur, ah. C'est la meuf. Et allez, sponsorisé. Il est pas là. Je l'aurai un jour, je l'aurai, ce bâtard. Sponsorisé par la meuf, pompote. Mais alors, je vais en dire d'autres. Matmut, MMA. MMA, zéro tracas. Matmut. Zéro blabla. La forêt. Il est où le délire de la forêt? C'est un truc immobilier, qu'est-ce que tu me racontes? T'es à côté là, mec. Maintenant, faut dire trois trucs immobiliers aussi. Alors, trois trucs immobiliers, Stéphane Plaza et On l'a déjà dit ça. Bouygues Immobilier. Il a dit quoi? Valérie Damido? Ouais. Oh mais... putain, vas-y, mec. T'es un baiser. Hacking, ok, go. Hey, il dégraisse le PC. Ouais, mais attends, ils ont les budgets. Hop là, je passe ça sur la chaise. La fois que ça c'est. Ouais, okay, donc là... Est-ce que vous avez 18 ans? C'est sérieux? Non. Non mais c'est sérieux. T'imagines, il y avait un gif de boule qui se lançait sur les coups. Genre il y avait un pop-up. T'as des pop-up genre Est-ce que... Une meuf mature t'attend. Tu veux... Bon, on fait quoi là? Wait for Oxton Security Clearance. Ok. Mais là en fait, si on wait ici, on va avoir 2-3 problèmes techniques. Non mais je suis passé par-dessus la fenêtre. Par la fenêtre. Tony, tu peux hacker le PC s'il te plaît? Moi je vais essayer de cover comme je peux. Putain, putain, mais moi je suis perdu en fait. Action, ouais. Il moi je suis à côté du fond. Ok, ok, ouah. J'ai des problèmes. Y'a des gens. Y'a des problèmes. Attends, je suis là. Ils ont eu des problèmes. Salut.
Bonjour. Ah, il me faut du soin. Qui veut du soin? Il te faut du soin. Moi, je veux du swag. Non mais j'en ai mais qui veut? Bon bah j'en ai posé et... C'est cadeau, tournée générale. Et puis je t'en parle après. Ah, encore un pop-up. On arrête pas de laquer cette merde. Oh, il y a eu encore un pop-up. Il fallait encore enlever la pub. Cette fois c'était pour les gays. Il fallait encore envoyer boum. On a un gros chiffre dans le cul. Un plug anal. Oh mais ah. T'as l'air de t'y connaître, putain gars. C'est le mec qui connaît tous les termes techniques. Un plug anal. Qu'est-ce que tu crois? On accepte. Qu'est-ce que tu crois? Je suis en vacances. Je veux bien qu'il soit anal. Oh regarde, y a plein d'heures. Oui, c'est vrai. Y'a des horloges, y'a pas pour la France. New Delhi, Tokyo. Putain le mec il est sous Vista. Oh la honte. Oh le mec. Ah. Je commence à vous avez écouté ma blague. Pour rigoler, ouais. Ah non, non, on s'en bat les couilles de ta blague. C'est comme plug anal. Bien, mais c'est qui nal? Plug anal, de nal. J'ai lancé une grenade. C'est bon, j'en ai marre. En plus, ça a rien servi. Tu sers à rien. Oh putain, ta blague. Elle m'a... Pourquoi? Mais pourquoi? Mais arrête. Gad Elmaleh, ouais. Gad Elmaleh. Vous êtes tout seul, moi j'ai rien compris. Votre... Je rêve d'une banque. Non, mais moi non plus j'ai rien compris, t'inquiète pas. Je rêve d'une banque. Je pète à l'heure, ça fait de la running joke. Ah, Jeff, on est à Hoxton, putain, mais c'est nul. Ça s'en va et ça revient. Putain, le mec il se met à chanter, il se met à faire des blagues. Non, mais c'est ça que je comprends dans la mission, on va d'un côté. Du coup, il profite d'IRG. On t'entend plus du tout, Tony, ouais. On a pris possession de ta chaîne. Non. Alors suivez-moi sur Twitter. Oula. Il est encore en train de hacker, mais il fait que ça le mec. Ouais mais le gars à mon avis il est vénère, tu sais, on l'a envoyé en prison, il s'est tapé des. Il s'est fait taper. Ah il est sur le troisième PC, il y en a 4 hein. Non. Ah mais, bah... mais t'as fini de roter ton thé, espèce de gros dégueulasse. Le mec c'est quoi, il ruine la réputation. Mais ouais, non, c'est mauvais, hein. Genre, nous deux, on est professionnels, et lui, il y a le connard, bah, et je fais des blagues de merde, et vas-y que... Et vas-y que je chante. Et vas-y que je chante. Vous avez écouté le dernier album de Christophe Willem? Mec, il ruine la réputation. Ah non, c'est très... Tu aimes Christophe Willem, mais un plus vert. Surtout Christophe Willem, surtout. Je serai grand, je serai un Bee Gees. Oh putain, non, ta gueule, arrête. Voilà, ta gueule, effectivement. Arrêtez. Ah, je suis mort, merde, j'ai besoin d'aide. T'es quoi? Ouais, non, démarre. Ah, mais t'es grave loin, quoi! Non, c'est fait là-bas aussi, putain. Vas-y, appelle un pote. Mais pourquoi vous êtes là-bas? Pour le sur map, dans la top, parce que c'est là qu'il faut aller. Défend Operating Room, gars. Bon, vas-y, on y va en mode. En mode, c'est The Final Countdown, ouais. Putain, y'a trop de monde sur lui, il va se faire défoncer. Et moi, j'ai des cookies. Il a des cookies, je peux pas! J'ai 9 secondes, moi que ça. Peuple! Hey, rush! J'ai récupéré. Rush! 5 secondes! C'est ultra compliqué quoi. Merci. Elle a trop fait le ménage quoi. Michou FTW, presque j'en dis, voilà. On retourne à l'operating room là. Ok. S'il a l'air d'être dans la merde. En fait, j'étais tout seul en fait depuis tout à l'heure. C'est ça, mes amis. Et vous me dites rien, genre, vous me faites pas genre, eh, viens par ici. Ouais, non, on est bien sans toi. Oh, putain, il y a du peuple. Ok. J'ai une salle avec plein de trucs, mon gars. Je retiens. Ouais. J'ai pas de réserve. Pas de munitions. Et tu peux récup? Ouais. Non, parce qu'il faut qu'il me faut une clé. Il me faut qu'il faut une clé. Ça sert à rien, on est bien d'accord. Eh les gars, il me faut qu'il faut une clé. Ok, dans 18 secondes, les gars. Donc on va avoir une dernière vague. Bonne. L'avantage, c'est que je peux mettre un medpack ici, puisqu'on est censé y retourner encore une fois après. Eh ben écoute, je t'invite à mettre ton medpack. Si besoin de munitions, demandez. C'est sympa la CIA, quand même. FBI. C'est sympa le FBI, quand même. Yatch. Y'a de beaux bureaux. Ok, alors. alors faut détruire l'épreuve. Foren 6. Ouais, c'est ça. C'est l'épreuve, faut se taper l'épreuve. Aucune idée. C'est par où que je peux aller? Faut sortir d'ici. Oh, y'a du monde. Ok, je t'ai pas visé. Attends, faut aller où là? Je suis perdu. D'accord. On sort! On a pas la clé, on sort! Ah mais ça y est, si même les fougères se mettent à se balancer. Ouais, j'ai vu un truc de fougères. Mais regarde, y'en a combien là? Y'en a un paquet.
Ah ouais, j'ai trouvé la zone. Un mec, ils sont toujours atterris tout à l'heure. Ouais, je pense, ça perd. En fait, depuis tout à l'heure, je sais pas ce que je fais, je cours dans toutes les maisons, dans tous les appartements. Quand même des portes en bois, quoi. Je veux dire, t'as plus vite fait de la personne, c'est tu fais un tour autour de la. Je vais essayer de mettre un. Comment ça s'appelle ? Je vais essayer de mettre un méchant avec nous. Ah, ah ouais, moi aussi, tiens. Bonne idée. Ah, oh, c'est sympa ici. C'est très mignon. Y aurait moyen de. L'ouvrir ? Ok. Ah, y a une personne. Attends. Ah merde, on peut l'ouvrir qu'une carte. C'est un labo. Si quelqu'un trouve une carte, les gars, on en a. Mais il a une carte, Angel il en a une. Angel, il y a un truc à ouvrir là. C'est une carte ? Ah non, attends, je vais pas la gâcher là. Bah si. Non. Si. Il reste 25 secondes, il y a des endroits beaucoup plus intéressants à ouvrir. Ça, c'est que tu peux ouvrir à la personne. Il y a le casse-couille, hein. Non, c'est que avec le clair, on peut pas l'ouvrir avec autre chose. Mais t'as pas l'impression que je suis en train d'ouvrir à la personne ? Putain, j'ai buté un civil ! Bravo. Osef, c'est pas comme si on avait tué 10 millions de soldats depuis tout à l'heure. Putain, tous les papas de famille qu'on a tués. Ouais. Oh, arrête. Ouais, hey, c'est trop sadness. Mais pas le seum sur la vidéo. Toutes les veuves qui vont se retrouver. Il est où mon papa? Arrête. C'est dégueulasse. Le gros connard. Tiens, allez là. Alors moi je vois qu'il y a un truc qui a l'air d'être avec scanner. À mon avis, on va trouver des empreintes, il va falloir les scanner pour trouver le propriétaire. Non, les Tony RG, je le tuerai. C'est un bâtard. Tony, il fait vider des boîtes de mouchoirs. Je suis en sponsor via Kleenex et Tampax. Et putain, je tire comme une merde avec mes conneries. J'ai trouvé des preuves et faut que je les analyse. Nice, c'est sympa. Du coup, ok, y a peut-être d'autres preuves à chourer pendant que t'as la hein, ok. Je vais mourir. Putain, je suis encore mort. Ouais, t'as bien fait de pas l'ouvrir, mais Tu fais quoi? T'es mort? Oui, je suis mort, s'il vous plaît. C'est a joke, guys. Non. T'es pas censé avoir activé, toi, Tony. C'est bon, il y a Shane. Ah, j'ai plus de balles! Bien. Moi non plus, pour ça. Bah, ramasse, y'en a plein par terre. Eh, faut pas rechercher dans les archives, là, des trucs? Si, attends, mais. What? Genre, je peux mettre une clé, là. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Faut pas chercher quelque chose, ici? Putain, c'est quoi ce pub, sans déconner, quoi? Allez, c'est pas la bonne. J'en ai une deuxième. Viens, ils vont envoyer ces. Oh, les gars, on est dans le caca! Il y a une espèce de truc qui vient de descendre là. On va se taper une espèce de. On doit faire un truc. Économisez vos balles, les gars, moi je vous le dis. 18 secondes. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me suis fait killer par derrière. Tu fais méga bolossé. Je vais essayer de couvrir. Ok. Ah voilà. Merde. Voilà. Moi je vous propose qu'on se mette à couvert dans une salle. Allez, je suis prêt à analyser le troisième truc. Ouais, je me mets là, tu sais quoi, je bouge même pas. C'est pour ça que je voulais la carte en fait, ça permet de faire parler les deux pièces entre elles là. Non mais ça vaut pas le coup, pour passer là ça te prend une seconde et demie. Les deux pièces entre elles. Bah ça te prend peut-être deux secondes et demie mais Ça te sauve une vie. Aïe. Regarde, tu vois, là ce que tu n'as pas. Putain. Non mais là j'ai plus de balles et j'ai rushé comme un con. Ouais c'est ça. Cover. Change pas de sujet. Merci. C'est bon? C'est la fin? Je doute. Non, il reste encore des trucs à analyser, c'est tout mon avis. Hop, j'en ai un autre. Allez là, on est reparti. Vas-y. C'est qui? Toi t'as une boîte? J'ai reload les maps. Les maps. Ah, ouais. C'est bon. Vite, on se taille. Allez, on a analysé la preuve, on se barre avec. Putain, j'ai plus que même pas 15 balles. Vas-y, je vais me soigner à l'infirmerie. Cassez-vous! Sérieux là? Ça passe pas. Oh, les on peut rien faire et tout. C'est ce gros guignol. Je te gifle. C'est les snipers qui vous donnent. Ah ouais, non, ils sont grave chauds. À terre! En terre. Et allez un petit ennemi avec nous. Je referme la porte centrale. Ça marche. Attends, moi je vais ouvrir la porte. La porte, il y a des munitions et tout. Je compte sur vous, restez là. Putain, mais. Aïe. Alors je vais essayer de le descendre. Non, le tuez pas, je gère. J'en ai déjà un. Le tuez pas, je gère. Ouais, moi aussi j'en veux un. Mais de loin, tu arriveras pas. Eh, mais. Non. Pour chacun, avoir. Son si, chacun son Pokémon. Chacun son Pokémon. Moi je l'appelle Pikachu. Non mais ouais. On peut en avoir qu'un à la fois, donc je cherchais pas. Ouais, c'est Ronflex. Non, on en a deux, regarde. Non, mais chacun en a un quoi. Non, vous avez deux otages. Mais ah non, avez... mais on va en collecter 150 hein, comme le vrai Pokémon. Ah non, vous en avez deux. Eh, dis, tu connais la technique de la Game Boy? Genre pendant que t'es en train de t'échanger un Mew, et bah t'éteins les deux Game Boy en même temps et ça fait des Mewtwo. Putain. Arrête, je le faisais quand j'étais en primaire. T'es con, gars. Oh les mecs, sérieusement?
Quoi, ça va, me dis pas que t'es un puceau du Pokémon. Si, mais enfin, je sais pas, moi j'ai joué. Y a des trucs qui explosent. Ah, il y a des morceaux de toi qui tombent, d'accord. Ah bon. C'est pas moi. Bon, moi j'ai trouvé. Ça coûtait cher notre petite balade chez la vieille. Il y a plein de munitions. Je vais vous poser le sac d'ammo parce que ça commence à être la merde ce que je veux. Ouais. Ah bah il serait temps, tu sortais les doigts du cul. Mais j'ai ouvert une salle avec plein de munitions, hein. Franchement, c'est moi qui fais tout. Oh putain, les. Il y a du peuple. Oula, sur l'étoile. Ouais, j'essaye de gérer, mais je me sens un peu cul nu là. Oh, ils sont derrière. Après, c'est entendu que naturiste. Je peux le courant. Il me faut grave immune en fait. Ah, super. Allez, on se détend la zigounette. Cité. Je pose mon attaque sur DFG. Ce gros silence. On est trop concentré, mec. Silence est pesant. Juste après ma blague de merde. Ah, parce que t'as fait une blague. J'avais ah, même pas pardon, remarqué. Je l'ai pas entendu. Hein. Moi non plus. Okay, bah, j'ai dit, est-ce que tu peux la redire pour mieux te ridiculiser? S'il te plaît. Je vais te faire reculer. Je disais, ils ont coupé l'électricité, on n'a pas payé la facture. Voilà. Ça y est, t'es sponsor ODF maintenant, espèce de traître. C'était très drôle, j'ai beaucoup ri. J'aime l'humour. Ah, c'est chinois, j'aime l'humour, à point. C'est bon, on peut. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça y est, on peut rentrer. Il a terminé. Ouais. Je prends le serveur. Non, c'est bon, je le prends. Ah bah bon, tu prends. C'est mon boulot, je suis technicien informatique. Bah, tu seras plus lourd. Regarde. Ah, j'avoue, il est un peu lourdingue. C'est un faux serveur, ça. Lui, il a essayé de le recouper, il a pas compris que c'était trop tard. Oh putain. Vas-y, on se casse. Oui, tout le monde là. Faut rester à côté de moi. Je vais soigner, y'a de quoi faire. Perso, moi je me soigne avant d'y aller. Ça vaut le coup. J'ai besoin de quoi. Tu vas mourir. On a qui l'habite, viens le soigner. D'où? Là, y'a infirmerie. Mais regarde, tu m'en bats les couilles, regarde, hop là. I need a. Oh là, putain, les gars, j'ai besoin de vous. Bon, moi j'avance, hein. T'as connard. Je suis avec toi. Je vais vous chercher des grenades ici. Y'a plein de grenades. Genre plein quoi. Je sais pas comment ça se fait qu'il y ait des grenades posées là, mais. Ne te retourne surtout pas. D'accord. Ah, y'a Slender derrière. Attends. Vas-y, y'a des snipers. Direct moi, y'a des munitions, y'a tout ce qu'il faut. On sent pas les couilles, on veut juste fuir. Munitions, je te vois. Ouais, je suis un peu pauvre, j'arrive. Mais venez en bas, non? C'est en bas qu'il faut aller, hein. Attends, je vais chercher des mines, je suis à sec. Je vais récupérer tes mines, moi je vais avancer. Oh, les mines de porc. La la la. Oh putain, il y a du monde. Y'a des mines, ouais. Ah, y a tout. Oh, regardez, y'a des grenades. Michou va roxer tout seul. Vous avez le package ou pas là? Ouais, je sais pas, moi je prends des grenades. T'es le mec qui va crever avec son sac, tout ce qu'il va gagner. Y'a une perceuse. Oh, y'a plein de mines, y'a tout. Déception. Mais ouais, gars. Mais c'est le paradis ici. Plutôt. Il faut juste par contre une interaction de 2 secondes pour prendre une grenade. Mais moi je dis ça, j'ai rien. Allez, zou. Comme ça les grenades. Elle était comme ça dans. Quand tu vas attraper une grenade. J'arrive. Ah, je suis en mode Rambo tueur, t'inquiète. Attendez, c'est quoi la touche pour la grenade? C'est 3. Non, mais ne pas. Putain. Quel con. Gros Kevin. Il y a des fougères qui ont volé au milieu de la map, c'est bon, on peut se cacher. T'as un toit avec des fougères. Allez, on s'arrache les gars. Non, on peut pas. Rien ne passe. Quoi, c'est quoi ça? On s'en bat les couilles. C'est 4, il est où? Il est où? Ah, c'est là qu'il faut aller. Il s'est perdu l'autre. Ah. Du coup, moi je vois manger. Je crois qu'il est bon cet thé. Franchement. Mais... Alors, il est à quoi ton thé? Vanille caramel. Non, c'est pas PD. Ta fiole. Pédale. T'aurais pu prendre bergamote, hein, franchement. Il avait qu'un zeste de framboise, un petit peu de vanille. Tisane, non. C'est d'accord. C'est du Earl Grey, j'ai mis un peu de là-dedans et du miel. Attends, voilà. 40 euros la capsule, quoi. Il a intérêt d'être bon, hein. C'est ouvert. Ok. J'open la voie. Non, je veux le sac. Tant pis, j'ai pas le sac. Non, mais j'ouvre la voie. Ah si, j'ai le sac. Ok, est trop fort, attends. Oh, mais genre, puissant, Chance, go. RIP Chance. Je vais chercher. Bah, pourquoi tu boites avec ton sac là? Eh, PD. Y'a personne derrière. Ah bah non, faut pas casser nos vêtements. Ah, peut-être que si en fait, hein. Allez, zou.
On se casse. On se casse. Michou. Attends, je t'entends. C'est une blague. Oh, vais... connard. Je vais essayer d'aider le bot. LOL, grosse sans rigolade. Ah merde, au secours. Mais, oh, mais quel connard. Mais quel connard. Bon bah viens Tony, on se raconte, on se fait un jeu de cartes. On aura un bonus d'XP et tout. On se fait un jeu de cartes. On va l'aider un petit peu. On s'en fout de l'XP. De toute façon ce con il veut me bouffer de la vidéo de mon espace disque. Alors cherche pas, j'ai compris, il voulait pourrir la vidéo. Eh mais si tu meurs, moi je reste là, hein, je bouge pas. Putain, ouais vas-y, y'a une armée quoi et... Au secours. Putain, bouffe ta... Ouais mais 4 secondes, c'est mort, on peut rien faire pour toi mec. Vas-y, c'est mort, va en prison. Vas-y. Eh hey, tu dis un mot, on te tue hein. Eh hey. Bah c'est ça hein, moi je te pète le cul hein. Direct, allez viens on y va. On a des connaissances. Merde, une grenade. Quoi? Oh les gars. J'ai pas fait exprès. Et là t'imagines la voiture qui pète et c'est fini. Fin du jeu. Je crois que c'est notre meilleur coup. Allez, plus au nombre de victimes, Michou à la crève, c'est cadeau. 155. Bon, ouais, il est surtout mort à la fin. Ouais, ouais comme une merde. Moi je veux pas dire, mais comme une merde. Hein. C'est perso. Bon, j'ai level up et j'ai débloqué la machette. C'est super. C'est fini ? Celui qui a fait le moins de dégâts, c'est Odakil. Bravo Odakil, tu as fait un sub. Je peux aller faire un thé ? Moi je vais boire le mien, hein, pas de problème. Bon bah les amis, on vous remercie d'avoir regardé cet épisode Let's Play de Payday 2. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube si vous en voulez plus, si vous en voulez plus. Et également à nous retrouver, appartient au DLC Transport Blindé. Putain, t'es à jour toi. Et également à nous retrouver sur le Twitter @inrealgame. On vous dit à bientôt, ciao. Qu'est-ce que vous avez pensé de la map alors? La bise, on s'en bat les couilles, bise. Va boire du thé toi, va boire du thé.